Mesdames et messieurs, la presse, parlée, télévisée, écrite, nous disons bonsoir à la ronde Badet. Chers compatriotes, moi content aujourd'hui hein, pour me faire un petit causer avec nous sous action gouvernementale. Moi, j'ai proposé pour me faire depuis quelques semaines, mais de multiples obligations t'ont empêché de joindre ce moment ça. Pour me chita, faites-y causer ça avec nous après-midi. On va essayer faire un petit survol sur plusieurs dossiers. D'abord, nous allons parler de dossier la justice. Nous connaissons que son dossier qui est sensible en pile depuis nous parler de justice. Ma mesure pour me dire nous qu'au niveau de l'administration Moïse Lafontaine, justice dans son gros priorité que lié pour nous. D'ailleurs, nous connaissons qui est fort que l'administration a fait pour nous voir qui mesure que nous améliorer le système judiciaire. Nous. Comme nous connaissons, son pouvoir qui est indépendant, mais cependant, nous-mêmes, comme autorité de l'État, son devoir que nous gagnons pour nous cacher avec le système judiciaire là, pour nous voir qui gens que nous cas résoudre certains problèmes en tant que responsable. Problèmes multiples nous connaissons. Nous avons un dysfonctionnement de système judiciaire. Malheureusement, avec grève en cascade qui te gagné, nous avons lenteur dans le traitement dossier par juge ou encore par officier de parquet. Donc, tout ça a entraîné une insuffisance d'audience, même dans le temps que ça est normal. Nous avons l'autre aspect encore dans le système judiciaire. Hein. C'est ça que nous avons les détentions préventives prolongées. Et ça a entraîné ça que nous disons en surpopulation carcérale. C'est-à-dire, nous gagnons trop de monde en dans prison. Et nous arrivons même dans de situation où il n'y a ni monde qui est condamné, ni monde qui n'est pas condamné, qui est dans la même cellule. Mais on parle de surpopulation carcérale. Bon, l'autre problème pour nous résoudre, peut-être à moyen terme, pas peut-être, sûrement à moyen terme, parce qu'il fait partie, n'est-ce pas vrai, de priorité nous, c'est ont incapacité carcérale que nous gagnons. Parce que la plupart de centres carcéraux que nous gagnons, c'est une pénitentiaire nationale. Pénitentiaire nationale est construite. Les Port-au-Prince ont 100 000 habitants. Quand il y a Port-au-Prince, son méga ville que lié. Donc, tout problème, ça, on a gagné pour nous adresser. Et puis, nous avons mauvaises conditions tout au niveau de prison. Yo. Côté que pas gain dortoir, pas gain ventilation, moun yo mal manje. Ensuite, gon dernier point, c'est point sacré les corruption qui gangrène tout système nous, m'vle pas les systèmes judiciaires et l'administration publique, etc. Mais, li pas bon que l'or dirigeant, et puis c'est plein ou plein, même j'en tout le monde. Nous-mêmes, en tant que responsables, nous chita, comme je dis tout à l'heure, avec le pouvoir judiciaire. Et, je dis en même, nous faisons une réunion de travail, côté que dans la réunion de travail, ça, qui était une réunion de travail qui est très productive, nous avons gagné un ministre de la Justice qui était là, nous avons gagné un directeur cabinet ministre de la Justice qui était là. Nous avons un commissaire du gouvernement
du parquet de Port-au-Prince qui était là. Et nous avons gagné tout le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince qui était là dans la réunion. Ça. Bien sûr, nous avons assisté par 4 membres de cabinet. Moi, je dis réunion, ça, c'est très important parce que ça permet de nous faire brasser l'idée, ensuite identifier le problème. Yo. Et Jean-Président de la République a toujours dit, un problème qui est identifié, il plus qu'à moitié résoudre. Donc, décision que nous prenons suite à rencontre ça, c'est que nous gagnons 1500 personnes qui sont en prison actuellement. Et 1500 personnes, ça n'a pas gagné aucun dossier pour eux, parce que nous avons un tremblement de terre, nous avons un incendie qui est fait. Mounsaïo n'est pas arrivé à joindre le dossier Mounsaïo. Donc nous-mêmes, nous créons une task force au niveau du gouvernement et dans les semaines qui suivent, pour nous qui gens de façon célère, nous traiter le dossier 1500 Mounsaïo de façon définitive. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, nous avons 540 personnes dont le dossier est en traitement. Donc, ça que pral fait, nous pral décréter en permanence, c'est-à-dire que doyen li bay garanti ça, pour que dossier 540 moun sa yo fin traité le plus tôt que possible. Troisièmement, il y a des décisions qu'ap fait au niveau de parquet pour de façon célère, une fois qu'on jugement prononcé, que moun sa li joine. Si son cas le nécessite, les joindre libération, séance tenante. Donc, tout ça a permis de nous désengorger prison, notamment prison dans la zone métropolitaine. Et à moyen terme, nous allons regarder qui gens que nous allons améliorer le centre carcéral. Nous allons inspirer nous sur prison qui construit déjà et que nous faisons une véritable caravane au niveau de système nan pour nous voir si nous avons gagné l'autre centre carcéral de sorte que prisonniers, pendant que nous allons réfléchir, pour nous réfléchir dans de bonnes conditions dans le côté que nous avons gagné pour nous arrêter. En ce qui concerne l'éducation, nous connaissons que c'est une grosse priorité que lié pour le gouvernement, une grosse priorité que lié pour le président de la République. D'ailleurs, dans la campagne, il était parlé d'éducation, de projet, de vision pour l'éducation. Je mesure pour me dire que il y a 12 000 salles de classe qui ont gagné pour construire pendant les 4 prochaines années. Et l'administration Moïse Lafontaine l'a travaillé pour commencer à implémenter la promesse de campagne. Ça. Mais comme nous connaissons, nous vivons dans un pays qui est à genoux. Un pays côté institution écrasée. C'est comme ça que 2 mois après que le gouvernement ait fini d'installer, nous venons joindre 2800 professeurs qui ont gagné lettre nomination dans main qui pas jamais émergé dans le budget national là pour recevoir nous avons gagné des étudiants de l'école normale supérieure que ont été promet pour être intégrés que ont pas jamais intégré et nous avons gagné tout près de 3000 professeur qui était dans la salle de classe pendant plusieurs mois, voire même années, qui n'a pas gagné ni lettre nomination dans le qui n'a pas gagné ni salaire, qui n'a pas recevoir ni salaire. C'est petit frais que vous avez recevoir de l'école. Yo. N'a pas admettre que un système que nous joignons comme ça, comme héritage, c'est un système qui n'a pas fonctionné.
Eh bien, en tant que responsable, nous t'es réunis avec le Parlement, ou plus précisément avec la Commission éducation de la Chambre des députés, côté que nous t'es pris des engagements et nous régulariser dossier 2800 professeurs. Avec les mêmes moyens de l'État, avec le même budget que nous avons gagné, nous jouons moyens pour nous défaire. Et nous avons dit que, en ce qui concerne l'autre enseignant, il faut que nous analysions le dossier yo, au cas par cas. Et une fois nouvelle dans deux, liste 3000 là monte 10000. Après ça il vient descendre 5000 le que ministère essaie serrer boulon système nan bien et qu'il y a un peu moins que 3000. Mais dossier ça yo nous gagne pour traiter yo, n'a traiter yo là. N'a pas de mettre avec moi. Si que nous voulons créer on l'autre l'école pour Haïti. Faut nous gain moun compétent là-dedans. Gain dans dossier ça yo. Côté moun nan dit que le gon diplôme mais li écrit dans CV a et a dire dans papier ça le voyer qui dit qui toute étude que le fait. Le regarder ou pas ouais aucun diplôme vraiment dans dossier. Et gain deux moun même qui pas gagné même papier baccalauréat. Donc c'est moun que qui pral tomber. Mais tout dossier ça yo yo au niveau de OMRH qui c'est un bureau qui attaché à primature là parce que comme nous connaît selon la constitution haïtienne le premier ministre dispose de l'administration publique. C'est-à-dire que premier ministre là c'est lui-même qui fait pour qu'a nommer moun et c'est lui-même qui qu'a révoquer moun tout. Et c'est lui-même tout qui baille promotion dans l'administration publique. Mais pour baille en fait, faut le faire bien. Parce que si nous besoin éduquer ti moun nou yo, faut que nous gen moun qui gagne un certain niveau pour faire. Bien sûr, ces 3000 moun yo gen priorité dans le système nan parce que yo était là déjà. Mais n'a analysé dossier yo et pas nous garantir que dossier ça va le traiter très rapidement et comme moi dit li nous gagne une équipe OMRH qui dépend de la primature qui ensemble avec une équipe éducation nationale y a travaillé ensemble pour finaliser dossier ça yo et que pour une fois pour toutes nous gagne système ça nous gagne tout moun yo nommé. Et puis, au fur et à mesure qu'on y a, n'a pas le nommé moun yo sous voie de concours. Parce que même gens, ça te qu'on fait dans la police nationale, côté que c'est sous concours, même gens que ça fait dans l'université d'État d'Haïti, c'est sous concours, moun rentré au niveau de l'administration publique, n'a pas le, n'est-ce pas vrai, encourager l'excellence pour que ces meilleurs cadres qui rentrent comme fonctionnaire de l'État. Malheureusement, comme par hasard, nous remarquons que il y a plusieurs côtés que même jour, en pile de monde prend la rue. Sur route 9, par exemple, côté que bon lycée, Jean que ministre de l'Éducation nationale Landili, que un ancien député était fait, mais ministre qui était là à l'époque, il était par autorisation, c'est pour une seule salle de classe, et puis progressivement, pour y mettre d'autres salles de classe. Malheureusement, n'est-ce pas vrai, il ouvrit tout en même temps, et tout professeur ça, il n'y a pas, n'est-ce pas vrai, des fonctionnaires de l'État. Si on est aux abois, si on prend la rue. Mais nous connaissons que le moustique a volé ou par contre sac mâle, sac femelle. Malheureusement, il y a des gens qui partent, élèvent l'école, qui infiltrent autour. Parce que ces paroles,
si moun pou yo ka c'est pas pa voye l'école pou yo apprendre voye wash ni bloquer route ni faire brigandage mais yo voye l'école pou yo travail. Moi profiter occasion ça pour moi présenter sympathie à un agent de la police qui recevait un coup de wash d'un raché. Acte de violence ça yo nous pas doit tolérer yo dans pays et nous pas tolérer yo parce que ti moun ça si jodi an c'est wash l'a voye s'il gen des artisans du chaos cap apprendre niveau et wash demain c'est pas wash l'a voye encore même zam ça l'a pas tourner contre nous-mêmes l'a pas tourner contre moun qui te voye lui tout bagaille qui doit réaliser li fait pour réaliser tête frette. Pas aucune décision émotionnelle qui doit prendre. En tant que responsable de l'État, nous gagnons pour kachita avec professeur l'école. Pour yo même pour yo cap rentrer dans salle de classe pour ti moun yo rentrer dans salle de classe tout. Si me prend par exemple Tigouave, côté Timounio dans la rue. Il y a près de 90 nominations sur environ 108 qui fait déjà. Il y a une dizaine qui beaucoup fait. Et puis Timounio dans la rue. Chaque côté a une petite particularité. Mais comme par hasard, tout bagaille vient même là. Je profite de l'occasion pour me faire un appel à parents. Je consacre les parents parce que moi-même, petit moi, c'est dans le système ici, le système haïtien que je levé, soit dans l'école primaire, l'école secondaire ou encore dans l'université. Et m'a fait une petite confidence. Moi-même, je suis rentré dans l'université comme professeur en 1996. D'abord, je suis rentré dans l'université, c'est pour me remettre à payer. Ça paye en fait pour moi. Parce que je dis, si je suis docteur, je suis premier ministre. Je me dis que l'étude universitaire, les parents ne payent pas un goutte pour l'étude universitaire. C'est comme taxe nous toutes qui fait comme ça, ça mieux aujourd'hui que mieux. Donc, en 1996, je me suis choisi pour aller pour m'encadrer Timounio qui est dans la faculté de médecine. Et je me dis que en pile dans Timoun sa yo, c'est pas yo tout, parce que c'est sous concours yo rentre dans la faculté. Hein. Ce sont de petits génies yo yé. On bon moun ki brillant. Et moi même moi ka di nou, avec la discipline, ki jan Timoun sa yo réussi dans la vie. Mais m'a di nou l'autre bagay encore qui peut-être paraît très égoïste. Moi te di nou que petit moi, yo te dans la faculté de médecine. Yo te nan système nan dans université d'état d'Haïti et puis gon l'autre qui était dans université privée mais non seulement que moi rentrer moi enseigner m'impliquer mon plus haut niveau au niveau de l'université pour que ça m'entre au plus haut niveau c'est pour me contrôler qui ça cap fait dans l'université parce que quand il y a deux fois gain grève ça fait gain grève c'est frustration hein. Parce que ti moun yo en pile fois yo fè ou passer contre ti varabo, c'est pas vrai. Moi même moi t'ai quoi ça en 86 tout. M'étais quoi ça en 87. Mais yo besoin encadrement. Yo besoin que moun pa manipuler yo. Mais dans université en pile nan yo pa manipuler vraiment non. Mais yo besoin encadrement, yo besoin moins frustré. Et c'est une autre bagaille
qui te motivé pour me impliquer beaucoup plus au niveau de l'université. Et tant que père de famille, je dis à ma fond appel à professeur l'école. Ma fond appel à maman, papa, Timounio tout. Mais ma fond appel à Timounio directement pour me dire avenir, c'est pas dans la rue, avenir. Avenir, c'est pas dans boule caoutchouc avenir. Parce que gardez ça, boule caoutchouc qui était pour nous en Haïti. Avenir, c'est pas dans voyer wash avenir. Avenir, c'est l'école. Parce que yo gen pile potentialité. Nous gen pile potentialité. Si jodi a président Jovenel Moïse, il arrive au plus haut sommet de l'État, c'est parce que, premièrement, parents étaient disciplinés avec elle. Mais deuxièmement, c'est parce que elle a gagné en vision. Il a gagné pile discipline. Parce que si président Jovenel Moïse est sorti comme fils de paysan, il est monté. Il fait toute étude. Il est arrivé là dans l'université. Il fait une sortie dans l'université. Après ça, il est monté entreprise. Il est venu tourner un entrepreneur, n'est-ce pas vrai, réussi en Haïti et même au niveau international. Il est arrivé jusqu'au petit monde de l'État, c'est parce qu'il a une discipline. Et moi-même, comme moi, qu'on dit, ça, son modèle haïtien. Ce type de modèle, ça, pour nous suivre. Si que, hier, c'était dans la rue, il était boule caoutchouc, ou bien il était voyé wash, c'est pas dans le niveau saltaï, je dis. Nous voulons partager information avec nous, toujours dire, sur l'État en général. Faut me dire, nous, que c'est une grosse priorité que moi-même, moi te baye tête moi, n'est-ce pas vrai, pour me répondre à promesse de campagne, à vision président de la République nan. C'est réformer l'État. Mais réforme l'État, il passe d'abord par des textes de loi. Ma mesure pour me garder nous que gen deux textes de loi que nous pral déposer dans le parlement et qui que nous signons hier en Conseil des ministres. Deux textes de loi, ça, c'est les faits sous organisation l'État avec fonctionnement l'État. Ça, sont outils importants que nous parlons dans mais nous, ils parlent remplacer deux décrets de loi qui étaient faits en 2005, mais qui étaient dépassés. OK, côté que nous mettons des éléments nouveaux dans le texte de loi, ça. Et texte de loi ça est plus approprié vraiment pour fonctionnement l'État noir. Je pense que son gros avancée qui fait parce que un pays qui fonctionnait, il est fait pour fonctionner sous la loi. L'autre bagaille que nous pral faire parce que c'est la permanence son caravane nous décrété au niveau de l'État, nous pral pencher nous sous loi organique chaque ministère et avec organisme autonome de l'État. Yo. Et ça permet que, n'est-ce pas vrai, chaque ministère, chaque organisme autonome de l'État, il dit très clair qui ça que vous avez pour faire, de sorte que pour ne pas avoir un doublon, par exemple, ça que le ministère de l'Agriculture a fait, ou que le ministère de l'Environnement a fait, même bagaille là tout. Et nous avons pile organisme autonome de l'État qui n'a pas un conseil d'administration. Donc, lorsque nous venons mettre loi organique, ça, yo, ça permet que nous gagnions tout au niveau d'organisme, ça, yo, organisme autonome de l'État, ça, yo, conseil d'administration, qui permet que nous contrôler, n'est-ce pas vrai, tout ça qui passe là-dedans, puis bien. Nous songeons que nous avons fait un concours pour administrateur.
Donc, nous allons mettre sous pied un corps d'administrateur de l'État. Et administrateur de l'État, ça, il va aller, n'est-ce pas vrai, au service des différents ministères. Kounia, par exemple, il est très difficile au monde qui était administrateur dans la primature et puis pour voir lui administrateur dans le ministère de l'Intérieur, par exemple. Moun sa obligé de démissionner et puis après ça pour nommer on l'autre côté. Eh bien, avec nouveau loi ça que nous gagnons, hein, étant donné que le premier ministre c'est lui qui dispose de l'État, de l'administration, facilement, n'est-ce pas vrai, ou qui doit faire des réaménagements. Un monde qui était chauffeur par exemple dans l'agriculture ou qui a permuté moun sa ou mettre dans la santé publique. Ou qu'a permuté moun sa ou mettel dans l'éducation nationale. C'est-à-dire, un fonctionnaire, li pap appartenu seulement à un ministère, mais c'est à l'État dans son ensemble que fonctionnaire ça la pied. Ça permet nous résoudre un pile problème, oui. Parce que les ça, nous pralvin travail tout pour quel que soit dans ministère que employé a yé, li gen même niveau. Ou pas tant de que au monde c'est parce que la travaille dans finance les touche plus que par son monde qui travaille dans condition féminine. Donc tout ça nous gagnons l'ordre nous pas le mettre de sorte que pour nous gagnons l'état qui moderne, on l'état qui efficient, on l'état qui a des cadres qui compétents la donne, on l'état au service de la population. Nous devons fonti parler avec nous tous sur question santé. Mais c'est deux types de causes que m'a partagé avec nous. C'est que nous avons 123 sections communales en Haïti qui n'ont pas gagné en présence sanitaire. Son héritage lié. Oui. Et quoi ça nous vient de une situation? Eh bien, le nous te gardé dans tout dossier que nous gagnons. Nous avons que pour construction un centre de santé, son bagage qui t'a coûté 23 millions de gourdes. Eh bien, nous arrivons à joindre, n'est-ce pas vrai, on coût pour construction chaque centre de santé, ça, qui est aux alentours de 8 millions de gourdes. Donc, c'est pour me dire, nous, que qui gens que nous-mêmes au niveau de l'État, et il y a un conseil des ministres, pour me dire tout le monde est très content, parce que ça n'a pas été fait au niveau de l'État, au niveau des différents ministères, c'est qui gens que nous avons diminué le coût de l'eau. Je vais un exemple. Où est-ce que vous avez un téléphone là? Et puis téléphone là, son téléphone qui coûte 12 000 gouttes. Et puis, dans cet état, il s'en va acheter. Téléphone n'a qu'à 50 000 gouttes. Oui? Et bataille ça, oui, qu'on a mené, Kounia. Et corruption, c'est pas après mon et pour Maril seulement, non? Mais il faut s'interbouler, oui. Pour même les gens qui ont envie de faire, ils connaissent le fait. Ce n'est pas bon pour lui, non? Donc, pour la santé publique, ça vraiment son quoi qui est lié. Nous avons un courant. Et puis, au total, combien ça va coûter nous? Entre 11 à 12 millions de dollars américains. Pour nous faire pourvu toute section communale avec centre de santé. Et ça, qui ça nous va faire là comme pays? Pour nous avoir un centre de santé dans toute section communale. Nous, yo. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle ça, que nous avons pour nous annoncer nous, en ce qui concerne la santé publique. Et en ce qui concerne, nous songeons que nous le gouvernement fait monter, nous avons arrêté que tu es sorti. C'est arrêté sous train de vie de l'État. Parce que ça vient de passer. L'État, comme vous habitué de dire, l'État c'est choix le papa.
eh bien, laissez l'État cap dépenser, ça pas de compte dit mon rien. Mais qu'on y a, chaque 5 cob qui gagne dans caisse l'État, li important pour nous capables de porter 5 cob ça au service du peuple. Nan. Par exemple, moun de kon dépense en pile cob dans la question de acheter machine, machine de luxe. Kounya n'a pas aucun ministre qui vient doit acheter machine de luxe. D'ailleurs, c'est moi-même qui pour signer. Et moi-même qui pour ba autorisation. N'a pas que président de la République. C'est nous qui qu'un loulé. Donc c'est président de la République qui a pour les non zouricains. N'a pas aucun ministre qui cap penser la venue de nos machines qui coûtait $200,000, $150,000 américains, non? Premier ministre, c'est nos oreilles qu'elle voulait tout. Selon arrêté ça, chaque fonctionnaire de l'État y a un quota de carburant par jour. Quota, ça c'est un galon par jour. Bien sûr, c'est une mission. Les cas font augmenter. Mais train de vie, hein, les tout marrer avec question de corruption en tout. Oui? Par exemple, quand pile moun qui n'est pas content avec nous en décembre. En décembre. Nous faisons un circulaire sorti en décembre. Parce que les femmes disent nous ça. C'est quoi nous? Qui j'en à dans l'État? J'en à dans l'État, c'est que en décembre, nous avons acquis le cadeau que le ministère a fait. Nous avons acquis les dindes que le ministère a fait. Eh bien, nous prenons mesure courageuse ça. Nous interdit pratique ça dans l'État. Moi, j'ai des gens qui relèm qui dit yo gen conteneur den que yo te commandé font ti men levé pour yo. Obligé dit yo bon, bien content nous te commandé conteneur den yo, mais gen market bay ça au bon côté, c'est vendre yo de yo mais c'est l'État. Comme l'État il pas là pour faire ça. Nous connais des gens qui katé fâché. Si me prend par exemple un corbeille. Imaginez que on mon nous c'est président de la République. Ou bien, ou c'est premier ministre. Ou bien tout ministère qui a voué Kobay pour. Ou bien toute direction générale qui a voué Kobay pour. Mais comme l'État n'est pas ça, il n'est pas là pour faire ça, non? C'est là nous jouons Kobay pour nous faire l'autre bagaille. Parce que nous-mêmes, ça qui intéresse nous, c'est pas pour nous gagner ni champagne ni du vin pour un petit groupe de monde. Mais c'est de l'eau potable pour tout le monde. C'est ça qui intéresse. Ça, il fait continuer à parler. Je m'a parlé de train de vie de l'État. Il fait continuer à parler de lutte contre la corruption. Monsieur, dame. Nous connaissons que, par exemple, route Kay Jérémie, son route de 300 km que lié, de 100 km que lié, en route de 100 km. L'écoute l'État haïtien, $300 million, oui. Ça fait $3 million par kilomètre de route. M'a parlé d'une route qui gagne 7 mètres de largeur, qui gagne 7 cm d'asphalte d'épaisseur. Avec bien sûr les travaux, les travaux d'œuvre qui gagnent, type pont, d'eau, etc. qui gagnent pour fête. Eh bien, Kounia, Jean-Président Jovenel toujours dit, nous baillons boucanéen avant que nous gagnions bouillant, nous en mesure Kounia pour nous gagner propre pour nous pour construction de route.
nous avec quoi budget que tout le monde a critiqué que c'était le budget criminel là, nous gain équipement qu'on a pour tout 10 départements géographiques pays avec équipement yo avec moun yo femme garçon avec terre c'est roche qui gagne dans rivière au sable soleil. Eh bien qu'on y a le que nous fini tracer route là nous fait terrassement asphaltage route là nous connait combien coûte la côté moins de $100,000 américains la côté $98,000 américains tandis que longtemps il était coûté entre $1.5 million à $3 million pour par kilomètre de route. Et actuellement, ma mesure pour me dire que malgré que nous pouvons gagner un goût de communauté internationale qui débloquait pour construction route Kafoujof Saint-Afoleur, il a commencé et n'a pas avancé. Si je prends prix construction, prix construction, mètre carré de construction, li coûte l'État haïtien actuellement. Attendez bien, hein? Entre $1,700 à $2,100 le mètre carré. Tandis que n'importe qui bâtiment parasisme qui gagne actuellement, coût de construction lié aux alentours de $1,000 le mètre carré. Ça veut dire près de 75 à 100% plus cher que prix de référence normal. Eh bien, l'État, Kounia, n'a pas essayé de mettre un coût sous construction, yo, de sorte que avec le peu que nous gagnons maintenant, en toute souveraineté, pour nous capables de bâtir bâtiment public. Nous. Mais bâtir bâtiment public, ça fait ma fonti partage d'informations avec nous. Au début de l'année, moi j'ai décidé pour me décaler visiter différents ministères. Pour me garder qui j'ai que logé par exemple. Eh bien, monsieur, bah yo grave oui. Et son héritage lié. Mais nous va plein non nous même n'a pas avancé n'a pas travail. Et travail nous te promettre ce travail n'a pas travail. Pour au ministère contre ministère éducation nationale. Attendez, ça m'a dit non. Ministère éducation nationale est logé dans 19 cailles. Nous jouons contrat pour 11 cailles seulement. L'autre caillou, nous ne savons pas qui artifice que l'État paye l'autre 11 cailloux. L'autre 8 cailloux. Pour 11 cailloux, nous comptons combien de cobres l'État haïtien dépense par année? $50 million. C'est dans Fouyezou. Wach dans Kalalou, Fouyezou, dans Kalalou. C'est quoi ça? Et nous venons connaître. Combien cob que n'a dépensé dans loyer seulement oui $50 million oui c'est pour un ministère contre ministère planification de la coopération externe qui loge non local qui sous Boudon et puis il y a un autre local sous l'aéroport. C'est $60 million oui, par année. Prix location. Eh bien, nous-mêmes, au niveau de l'administration Moïse Lafontaine, n'a pas l'État, n'a pas retiré la terre, n'a pas mettre dans l'air. Parce que nous, problème Haïti, c'est pas un problème comme nous, comme dans la rue. Mais comme nous mal utilisé. Nous avons utilisé comme l'État, comme pas nous. Nous avons utilisé de façon rationnelle
N'est-ce pas vrai? Et là, ça, n'a pas gagné des immeubles, côté que Haïtiens sont fiers pour y garder immeubles, pour y garder bâtiments publics. Même gens qui sont fiers pour y garder palais national, pour ce n'est pas étranger qui viennent bâtir palais national pour nous, mais c'est avec quoi pas nous que nous bâtissons palais national. Pour nous garder l'autre administration publique, nous, pour nous fiers de bâtiments. Parce que ça, l'État, nous-mêmes, nous n'a pas fait, c'est que tout bâtiment public n'a pas fini bâti. Et là, ça, caravane n'a passé tout dans la ville de Port-au-Prince, côté que nous avons fait toute route qui gagne dans la ville de Port-au-Prince. Et à ce moment, secteur privé, hein, n'est-ce pas vrai pour le cas, retourner en bas la ville. Pour nous gagner Port-au-Prince, que nous sommes fiers de lire, pour nous gagner Port-au-Prince, ça, qui est capitale pays d'Haïti. Mbataka fini si brasser l'idée ça sans pas parler de l'autre n'est-ce pas vrai cas en ce qui concerne lutte contre la corruption gon bagay qui rele chèque zombie faut me dire nous gen deux trois moun yo mari déjà mais nous pas présenter moun zéro par la presse parce que tout temps que la justice pour qu'on dit que moun sa yo coupable nous pas capables, n'est-ce pas vrai, présenter ou ça, ben, la presse. Mais, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, par exemple, nous arrivons à Kembe près de 75 millions de gourdes, c'est-à-dire un peu plus que 1 million de dollars américains en chèque zombie. Au niveau du ministère de la Santé publique, environ 23 millions de gourdes. Et au niveau de la police nationale, on paquet de chèques zombies tout que nous kembe. Et nous avons des mesures qui parlent rentrer que nous prenons hier en Conseil des ministres, qui parlent permettre nous renforcer lutte nous contre chèques zombies. Parce qu'on doit avoir mon nom les Jacques Guy Lafontaine, dans l'administration publique là. Et bien même Mounza la recevoir un chèque qui est Guy Jacques Lafontaine. Ou bien la recevoir un chèque qui est Guy Lafontaine. Ou l'autre chèque qui est Jacques Lafontaine. Donc, tout ça, nous prenons font travail d'épuration au niveau du système nan, pour nous joindre, ça permet nous joindre plus de ressources, plus de quoi, pour nous mettre au service de la population. C'est que autrefois, le que l'État haïtien gagne pour le fonds dépense, dans le temps qu'on passe par appel d'offres, ou passe par, n'est-ce pas vrai, études de marché, etc., il vient pour un paquet de temps. N'est-ce pas vrai? Tandis que, qui ça vient passer au niveau de l'économie vraiment? C'est que chaque jour, il y a une recette qui a fait dans l'État. Mais chaque jour, il y a une dépense qui a fait tout. Eh bien, étant donné que tout processus ça yo allégé parce que contrat yo passé en régie ces jours-ci. Donc dépenses yo fait plus vite. Mais recettes yo prend un petit temps pour yo ka fait. Et au fur et à mesure, n'est-ce pas vrai, nous gain recettes k'ap fait kounya. Parce que autrefois par exemple, faut attendre jusque mars avril que l'État t'ait commencé engager dans dépenses. Mais qu'on y a étant donné que l'État allait plus vite, donc nous venons dépenser beaucoup plus vite au début de l'exercice fiscal. Mais d'ici la fin, exercice fiscal là, n'a pas venu gagner en stabilisation. Mais point que m'dan, mais peut-être profiter de l'occasion ça pour me signaler pour nous, c'est que au niveau de l'État, nous gagnons augmentation de recettes. Augmentation de recettes, ça a été fait soit au niveau de la DGI, et puis il fait tout au niveau de la douane. Côté que nous parvenons à gagner un petit excès, un bon excès en ce qui concerne les recettes. Et comme on te dit là,
y a des engagements que nous prenons, notamment nous gagnons augmentation que nous faisons, augmentation de salaire pour greffiers, pour juges, n'est-ce pas vrai? Donc ça la, nous obligé faire un budget rectificatif pour nous rectifier le tir pour nous capables bien boucler fin année. Mais ça que moi-même moi qu'a dit non, ce sera pour bientôt, d'accord, on a fait budget rectificatif là et dans la foulée tout dans les limites constitutionnelles on a pas présenter budget exercice 2018-2019 là tout. En ce qui concerne visite représentation haïtienne à l'étranger, effectivement tu as une réunion qui t'est gain pour faire en ce qui concerne le choléra. Kounia, nous connaissons que Haïti est positionné en ce qui concerne l'intervention des ONG sur le terrain. Haïti, je pense que Haïtien doit être fier, je veux dire, pour qu'il y ait une équipe d'hommes et de femmes dans la tête. Parce que Haïti n'est pas ni un savant, Haïti encore moins son moulin, mais son pays souverain Haïti. Choléra, ce n'est pas un cadeau comme choléra. Son tête liée. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons introduit choléra dans le pays. De 2010 à nos jours, rien n'a été fait. Mais il y a bien pour faire fait dans la discipline. Oui, nous sommes pour le support, mais pas n'importe quoi. Et bien sûr, n'est-ce pas vrai, il y a eu des déclarations. Il y a eu un communiqué de presse, et je pense que le public, Haïti, il y a une position sous déclaration ça que tu fait. Troisième volet question, c'est en ce qui concerne l'état financier des organismes autonomes. Yo gen pou yo ka vini, d'accord? D'ailleurs, c'est une exigence que lié et me pense que cours supérieur des comptes li fait li sort son note circulaire et nous même au niveau de l'état, nous gon task force qui pral gagner, n'est-ce pas vrai, tout différents rapports ça yo, non seulement au niveau des ministères mais aussi au niveau des organismes autonomes de l'état que nous pral présenter par cours supérieur des comptes. Président Jovenel Moïse depuis dans campagne. Il était dit que faut nous retirer l'État dans la rue pour nous mettre au niveau des institutions. Ça va l'abtourer pour institutions internationales. Parce que, nous avons dit ça tout à l'heure, Haïti c'est pas un savant. Haïti pas un moulin. Un organisme international pas qu'à penser le venir en Haïti. Et puis, pour faire des déclarations partisanes. Parce que ça, c'est un dossier qui est hautement, éminemment politique. Dis-moi si une organisation haïtienne, car aux États-Unis, et puis dis-moi pour faire n'importe quelle déclaration face au gouvernement américain. Est-ce que une organisation haïtienne, car en France, lui fait n'importe quelle déclaration face au gouvernement français? Il n'est pas capable, non? Eh bien, dans le pays de Saline avec Pétion Christophe, non, ça n'a pas fait tout. Il y a des moyens diplomatiques pour une série de bas effet. Et comme nous dit, dans notre de presse que le ministère des Affaires étrangères bail, c'est un moment très sensible. Côté que nous avons des chefs de détail de gouvernement qui sont en Haïti. Côté que Haïti fin signé, n'est-ce pas vrai, accord avec Fonds monétaire international. Et puis, comme par hasard, on note que ça a tombé. Et nous connaissons que dossier ça qui s'est caché derrière. Nous-mêmes, Haïtiens, nous ne pouvons pas fourrer bouche nous dans les étrangers comme ça. Bonjour, PM, c'est Luc Nergao pour Radio Métropole. Je me pose une question sur la justice là, mais et rapidement, je vais dire que moi, il y a quelqu'un qui a dit que c'est nous qui avons signé encore avec Ménéjus pour le rentrer et nous débat le mandat et pour ça. Et article 17 l'a dit que
et faut reprocher dans baraï interne pays parce que c'est sécurité intérieure qui en sécurité conseil sécurité l'ONU qui voit illicite ou bon section sur ça sur une possibilité justice aucun n'a clamé d'amener ce commissaire au gouvernement et l'idil démissionner parce que on blâmé deux fois ou pas accepté l'être là il aurait blâmé encore tout de suite après bon bagaille là contingent bizarre entre ministre là avec commissaire là ben nous compréhension sur ça est-ce que au plus ou moins maîtrise ça qui a passé là. Et griffier toujours en grève ou dit gain action qu'a posé pour justice on va trop parler de questions ça et sur continuer à revenir s'il vous plaît d'abord sur dossier bien juste là monsieur et nous même haïtien pas connol nous hein Haïti c'est membre fondateur Nations Unies que lié oui malheureusement nous t'a fait des ordres dans pays là. Et puis, il y a un dirigeant qui te demande de vous venir. Mais même là, vous venez. Vous pas venir pour vous faire ça, vous voulez, non? Il faut travailler avec nous en partenaire. Parce que son peuple fier, haïtien. Et son peuple souverain, tout. Dans le cadre, par exemple, la justice, non? N'a pas chita avec eux. Pour nous dire, mais qui réforme nous besoin, yon aide nous pour yon café. Mais, c'est pas fourré bouchou, non série de bagay, de façon qui pas opportun. Parce que ma pour prendre encore, dossier pétro-caribéen, son dossier qui est éminemment politique. En ce qui concerne le commissaire du gouvernement, j'ai fait gagner en réunion de travail productive avec le ministre de la Justice et le commissaire du gouvernement. Le Premier ministre dispose de l'administration publique. Et m'te refuse, pour le bon marché institutionnel, m'te refusé démission, mettre Oknam Damius. Et je dis encore, comme preuve, je pense avec beaucoup de respect de hiérarchie, M. Damius Chita, et nous avons une réunion très productive, et d'ici deux à trois semaines, nous avons commencé à voir le résultat, côté que nous avons 1005 personnes qui sont en prison, qui n'ont pas gagné. N'est-ce pas, bon, quel statut, pas bon, quel papier pour vous, n'a penché sous dossier ça, pour nous qui j'en ai liquidé et 1005 et prisonniers détenus ça. 1005, c'est peut-être un erreur comme des faits. 1005, qui gagnent. Et, n'est-ce pas vrai, nous avons 540 dossiers qui sont en traitement, que nous qui j'en ai pas traité dossier ça très rapidement. Donc, je dis que nous-mêmes, n'a pas commencé par le temps au niveau de la justice et n'a bien pour nous travailler avec le système judiciaire là, pour nous voir que rapidement, en toute souveraineté, pour Haïti, qu'a présentons l'autre aspect au niveau, on l'autre visage au niveau de la justice. Bonjour, c'est Diego Charles, président de Mille. Le Premier ministre, sous dossier Mine-Justin. Et au catégorique éclair sous lui. Il y a des gens qui connaissent que il y a des représailles après réaction musclée Haïti par rapport à l'attitude de Justin. Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons nous pas craint que Brad fasse ça lui-même, il fragilise et rapport nous avec Justin qui est même venu là pour travailler, Jean, que mission dit qui était renforcer la justice. Dans ce qui est pour avec le déficit budgétaire à côté parlé de lui tout à l'heure, et. Faire recours à financement monétaire auprès de la BRH, il est rentré en droite ligne en violation cash management que nous avons renouvelé en début de l'exercice fiscal là. Et environ 5 mois après, nous continuons à violer les. Est-ce que nous entendons rectifier le tir et dépenses à qui fait yo, qui chance qu'il aller vers des projets qui productifs pour que nous ne retombions pas catastrophiques et pour l'économie? Non, je réponds à cette question. En ce qui concerne et minu juste, vous parlez de fragilisation d'Haïti. Moi, je dis le clair, nous ne pouvons pas comprendre ça, non? Haïti,
est membre fondateur des Nations Unies. Je réponds pour nous. Haïti, c'est papa des Nations Unies, Haïti. Oui. Et là, il y a un baptiste des Nations Unies. Haïti est signé là-dedans. Oui. Nations Unies, ce n'est pas une question de cadre, non, que lié. Son institution. Je pense que vous comprenez la réponse. Moi. En ce qui concerne cash management, je pense que partie dans la question là, que, qui est intéressée, est-ce que nous avons fait des projets qui sont durables? Monsieur, dame, nous ne pouvons pas parler de quoi? Ça a passé dans le pays là. Monsieur, attendez bien. C'est 4000 km de route au moins, oui, qu'on va le faire pendant les 4 prochaines années. 4000 km de route au moins qu'on va faire pendant les 10, pendant les 4 prochaines années, dans les 10 départements géographiques. Chaque directeur départemental, il a gagné pour faire 100 km de route par année. Et nous, quand on dit, je vais être ou on lumière verte. N'est-ce pas vrai? Après 3 mois, vous comprenez, ou est que vous pas arrivé à 25 km, lumière a commencé à venir orange. Après 6 mois, ou vous pas arrivé à 50 km, lumière vient rouge, c'est remise à vos parents. Pour les directeurs départementaux. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire 100 km de route par année, multiplié par 10, ça fait 1000 km, multiplié par 4 ans chrétiens, ça fait 4000 km de route. Mais ce sont révolutions qu'a fait là, oui. Ou des questions d'électricité. De façon symbolique, bah, projet a commencé les Iwa. Dans l'extrême point de pays. Côté que, faut que nous t'allions pour nous voir qui ça a fait. Dans le cadre d'un partenariat public, privé, communautaire, côté qu'on a un système qui marche avant, courant, et puis où on a un groupe électrogène qui vient en backup. Eh bien, c'est plusieurs civils contre les Iwa. Quand il y a un marché ouvert, monsieur, nous devons avoir 100 personnes qui mettent tête ensemble, ils font un organisme, une société anonyme, mixte. Et puis après ça, il y a le mettre courant dans la ville-province, oui. Et nous parlons d'un réseau national côté que nous parlons d'un câblage qui a sorti depuis dans Gandanse qui pral monter vers l'ouest après ça il pral dans nord-est il pral dans nord-ouest il pral dans le nord là pour remonter encore n'est-ce pas vrai pour monter dans plateau central et puis descendre dans Peligué descendre Port-au-Prince paysan quel que soit côté dans paysan mon a pas du courant le calagil dans système là oui. Parce que dans la zone noire, c'est Haïti qui pays qui dans blackout, oui. Tout l'autre pays est éclairé, qu'on y a. Tout l'autre pays qui a internet. Bah, c'est aussi bah, qui montre que le peuple nan, li nan voie de développement, oui. Eh bien, c'est sous rail développement hein, que le pays en bralé là. Si nous prenons de l'eau potable, un paquet de travail mis en place qui commence à faire, oui. C'est la première fois depuis des années. Que au niveau de Dinepa, que l'État haïtien mette kob, oui. L'État haïtien mette kob. C'est étranger seulement que te kon mette kob dans Dinepa, oui. Et nous avons une vision claire, oui. Qui ça que nous allons faire avec Dinepa? Côté que tout pays, toute ville en Haïti a un système d'adduction d'eau potable, oui. Nous n'avons pas un incendie là. Et puis, à peine nous deux bouches, trois bouches d'incendie dans Port-au-Prince, et puis nous avons de là-dedans. Eh bien, c'est une conséquence, nous, on a payé là, Kounia, ou jeune président de la République, qui est entouré d'une équipe de femmes à garçons, qui dit que ça, ok, bah, il doit changer. Si je prends le reboisement, nous ne parlons que, depuis qu'il y a parlé d'Haïti, on veut faire une publicité pour faire quoi? On dit Haïti son pays qui est déboisé, Haïti son pays qui est désertique, Haïti son pays. C'est une vieille image seulement, vous voyez deux pays noirs. Tandis que le, son bel bail qui est passé, vous ne pas dit non. Alors,
Lorsqu'on bel bail qui est passé, c'est l'autre qui peut dire le pour, c'est ou pour dire le peut-être tout. Eh bien, en ce qui concerne le boisement pays, moi-même, ma mesure pour me dire nous, et nous au courant déjà, m'a répété, et que dans chaque département géographique, nous parlons de gros pépinier, ça veut dire le centre de germoplasme, qui a produit 4 500 000 plantules par an. Nous avons dit 10 départements, 10, eh bien, il y a 14, parce que il y a un département côté que l'écosystème est différent d'un côté en l'autre. Il y a un côté qui a besoin de tel type pour pied bois pour terre chaud, il y a un qui a besoin de pied bois pour terre fret. Eh bien, c'est comme ça, nous avons 14 centres germoplasmes, côté que chaque année, chaque centre va produire 4 500 000 plantures. Eh bien, d'ici 5 à 10 ans, sur l'autre pays, nous avons c'est qu'on y a pour nous commencer à construire. Pour nous construire, c'est tête nous pour nous mettre ensemble. Faut nous changer logique contre que c'est craser. Faut nous mettre tête nous ensemble pour nous construire qu'on y a. Et me pense que son chance historique que nous gagnons, n'est-ce pas vrai? Et me profiter l'occasion pour me adresser à la jeunesse d'Haïti. Pour me dire jeune d'Haïti, jeune pays ça nous remet que avenir c'est pas l'autre côté avenir. Avenir c'est en Haïti. On construit l'avenir ça ensemble parce que on l'autre pays a pris naissance.